Souvi, qu'est-ce que c'est que ça? Une merveille. Pardon, pesanteur inverse. Je ne vois pas l'Hyperion. Extrapolation d'après sa dernière position connue. Il n'est pas fait pour atterrir. On le devancera. Qu'on le veuille ou non. Quelle que soit la cachette de l'Archonte, c'est là qu'on va. Largage dans 5, 4, 3... Oh le bordel. Ses commandes ne répondent plus. C'est pour ça qu'on l'a perdu. On dirait qu'il n'a plus que ses propulseurs secondaires. L'Archonte paraît qu'on ne le prendra pas en chasse si l'Arche est en danger. On se charge de l'Hyperion. Kandros, qui est avec vous? L'invitation semblait ouverte, à moins que vous refusiez l'aide de Kadara. On retient les cartes. Vous empêchez de s'emparer de Meridian. Trouvons l'Archonte. Super. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Alors je file tout droit, sans trop savoir où je vais exactement. Il l'a emmené. Capitaine Dunn? Le cœur, on dirait un sapin de Noël. Mais Sam est muet. Je crois que l'Archonte, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais pauvre il a Sarah. Quoi que Meridian puisse faire, il va essayer de se l'approprier. Concentrez-vous sur votre trajectoire, je vais les trouver. Ouh, terrible. Toutes, plein régime. Dunn, qu'est-ce qui se passe? Dunn! On continue. En avant! Et on file! Heureusement que c'est tout droit, hein! Ça, c'est pas l'Hyperion! Les cartes se déploient pour protéger l'Archonte. Oh. Allez au contact! Kandros, vous êtes tombé sur la tête? Il a raison. Si vous vous mêlez à leur troupe au sol, le vaisseau ne pourra pas vous tirer dessus. On n'a pas vraiment le choix de toute façon. Ouh, explosion! C'est beau ici! Un passage rapide. Oh, c'est impressionnant, il y a un architecte là-bas. Il est tout petit, et pourtant il était gros l'architecte, hein! Attention, le vaisseau est énorme. Baissez la tête! Des structures droit devant, pionnier, qui dégagent beaucoup d'énergie. Je ne vaux pas Sam, mais c'est sûrement un centre de contrôle. Ouh! Youpi! On va devoir se frayer un chemin à pied. Pas question que l'Archonte prenne Meridian. Un transporteur Kert! Attention! Vos propres rapports livrés sur place, pionnier. La c'est bon ça. Kadara est là aussi, ne l'oubliez pas. Comme quoi, ça peut servir. Ouh, il y a un gros. Oh, il se régénère. Attention, pionnier. Ouf. Le gros vaisseau Kert revient par ici. Voilà. Plusieurs groupes arrivent en renfort. Allez à l'intérieur, pionnier. On va les retenir ici et protéger l'Hyperion. Vous, allez trouver l'Archonte. Entendu et bonne chance. Oh, c'est beau. Tout le monde se bat, tous les pionniers. Pionniers, pionnières. Tout le monde est là. Kandros. Il se bat.
pause. Tempête, on entre pour suivre l'Arconte. Je transmettrai la disposition des lieux au suivant. Mince, un pic d'énergie. L'Arconte ne chôme pas là-dedans. Je me tiens prête. Sarah aura peut-être besoin de moi. Ouais, j'espère que ça ira. Donc on a retrouvé la mère. Ce serait bête de perdre la fille. Putain! Ils se battent comme s'ils étaient chez eux, pionniers. Tout le monde coopère, c'est à peine croyable. Mais non, c'est normal. C'est important si l'Arconte prend le contrôle et détruit des planètes. Pas la peine de me le rappeler. On déploie tout le personnel disponible, pionnier. Ce n'est pas tout à fait vrai. Gardez votre pédanterie pour la fête de la victoire. Et toi, toi? Ouais, c'est que les mastodons. Mais je pense qu'on aurait eu une autre créature, on aurait eu des galariens. Ouf, t'es intense. C'est cool, il y a partout. Par contre, je sais plus qui est qui à chaque fois. C'est là-bas. Ces piliers n'ont pas l'air de faire partie de la structure. Tout ça, c'est encore Méridian. C'est gigantesque. Combien de monde pourrait bien être relié ici? Sur le côté, ok, compris. Le pionnier arrive. Pour l'avenir du monde, nous allons les arrêter ici. Oh mon dieu, ça ne fait aucun compte. Attends, on va s'occuper des petits, je suis en train de me dire. Pionnier, l'élite du Parc Zéro est avec vous. Content que vous soyez là. Notre place est ici, et pas ailleurs. Allez! Et là, bim! Au corps à corps. Restez avec vous jusqu'à ce que la zone soit sûre, pionnier. Arrive. Pionnier, on détecte plusieurs défaillances des systèmes sur l'Hyperion. Et merde. Dan, Dan, on peut faire quelque chose? Dégagez le passage! Pas moyen de remonter. Ici le capitaine. Tout le monde en cryo. Vite! 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 Je dirige le courant sur les protections de l'infirmerie. On a une chance. Rapprochez-moi et je lancerai un bouclier biotique. Priorité aux passagers. Allez, accrochez-vous! Et ce fut un honneur de... Capitaine! Je vais bien, Ryder. Les modules, aussi. Remerciez les autres de ma part. Et l'Arconte, bottez-lui le cul. Avec plaisir. On m'écoute. Cet atterrissage veut dire que l'humanité est ici pour un bon bout de temps. Cette bataille vient de devenir une guerre à domicile. Tout le monde vous suit, Ryder. Vous avez notre soutien. Pionnier, envoyez directement ce message à l'Arconte. Ouh, y'a un gros. Y'a du gros. Tiens, le consacré. Oh là 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 là. Putain, je suis sur quelle grosse cible tirer, quoi, mais force. En revanche, je recharge pas. Ah, le gros, un gros en moins. Il est coincé là-haut, je suis tranquille. Ouh, elle a morflé le corps. On a établi une position solide. C'est bon. Pionnier. Vous n'avez pas intérêt à être mort. La zone est sécurisée pour le moment. Mission. On a la situation bien en main. Prochaine étape, l'Arconte. Si ça va trop loin, on va se retrouver dans l'espace. On va bientôt le savoir. Wow. Allez-y, verrouillez le simulateur matriciel. L'Arconte?
Est-ce qu'il sait qu'il aimait ? Il est dans la tête de Sarah. On est connectés. Reliquat, mais qui n'attaque pas. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Il nous montre la direction à suivre ? Ils font vraiment ça ? Ça ne peut pas être l'Arconte. Vous avez vu ça ? Les portes qui se ferment ? Quelqu'un dirige notre trajectoire. C'est peut-être l'Arconte. Qui voulez-vous que ce soit ? Ryder, interagir avec les reliquats, c'est déjà douloureux pour vous. Préparez-vous à reproduire le stimulus cérébral. Sortez de ma tête ! C'est vous qui n'y avez plus votre place. Je vais utiliser votre connexion. Mais vite ! Ça pouille. Ça ne me dit rien qui vaille. Oui. Notre maison est garée à la surface. On ne peut plus faire marche arrière. On n'a pas le choix. Allons-y. C'est ça. Go. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Je n'aurais jamais cru qu'Andromède recèlerait tant de merveilles. Tout ce qu'on a traversé, cette vue en valait la peine. On doit pas laisser l'Arconte s'en emparer. On est arrivé. C'est à nous. Et là-bas, les commandes des Méridianes. On attend ça depuis longtemps. Trop longtemps. Vous êtes prêt, pionnier ? C'est la porte qui mène vers tout ce que nous cherchons. Je n'ai jamais été aussi prêt. C'est parti. Je le sens. Voilà. Méridiane. Le réseau. Nous y sommes presque. Oui, moi aussi. Il faut qu'on se dépêche. Allez. Vous voilà. Vos efforts pour me défaire ont cessé d'être amusants, pionnier. Mes indices t'ont servi, frérot ? Joli travail, Sarah. Il s'est laissé distraire. Il aime s'entendre parler. Votre détermination est parfaitement inutile. J'ai votre connexion. Et j'ai compris. L'esprit est formé à penser comme le faisaient les créateurs des reliquats. Dans ce cas, douloureusement. Mais je préfère la laisser porter ce fardeau. Tant que j'ai Méridiane, je transcenderai ce que vous prétendez être. Vous n'avez plus le temps. Je vous égale à chaque fois. C'est fini, Arconte. Vous avez échoué. Vous devez tout au hasard. Je suis l'héritier génétique d'un millier d'espèces différentes. Plus de pitié. Tuez-les. Tuez-les tous. Utilise encore la plante, Sarah. Ils vont survivre à une puissance pareille ? Il n'y a que pour elle que je m'inquiète. Faut se mettre à l'abri. Tiens! Prête la compagnie! Oh! Non! Il. Merde! Il a l'accès! Je vois le réseau. C'était des architectes de la vie. Vous n'avez rien commandé. J'ai rendu le secteur Eleus habitable. Non! Vous avez mené ces gens droit vers leur mort. Je sais que ça fait mal, mais il faut que tu me dises où me connecter. Trouve-moi des cibles. Tout le monde a compris ? Faites taire l'Arconte !
Ouh. Ça va être compliqué. Les principaux. Pense là-bas. Je vais essayer de le préparer pour que tu puisses te connecter. Vite. J'en ai assez. Je vais en ici. Ouh là là. Non, tu vas pas aimer ça. Voilà. Oh putain, oui, c'est qu'il y a... Continuez, le relais est droit devant. Ok, non. L'Arconte cherche à me battre. Je n'ai pas ton entraînement. Je suis là pour aider. Ça vous êtes seul et trois. Les capacités sont encore libres. Vous allez me le payer. Mais plus vous détruisez, bien, plus l'attention de l'Arconte sera divisée. Tenir la position et tuer le reliquat. Je m'en charge. Sam, une faiblesse exploitable. Sa tête blindée, Sarah. Comme si j'allais rater ça. Tout le monde vient s'amuser un peu. Ouais, les collègues qui viennent. Je vais vous écraser avec vos propres jouets. Voilà. La position près du relais. Ah oui. C'est à moi que les reliquats obéissent à présent. À moi. Ouais, t'as raison, c'est pour ça que je les détruis. C'est prêt. Vas-y, tu peux te connecter. Go. Le premier relais est désactivé. Donne-moi une autre cible. Là. Ok. On puise son énergie de l'autre côté. C'est parti. Je suppose qu'il... Oula. J'essaie, mais... C'est bon, j'ai vu. Trouve une interface. Oui, okay. C'est bon, j'ai vu. C'est bon, je fonce au relais. Continue jusqu'au relais d'alimentation. Vous ne méritez pas l'exaltation. Mais non. Je retire mon offre. Trop tard. Continue jusqu'au relais d'alimentation. Aïe. Faut détruire. Ouais. Allez. Voilà, il y en a beaucoup à tuer. Aïe. Encore un trou. Pas d'interface en vue. Ah voilà. Ne bouge pas. Je vais essayer de faire monter la plateforme. T'es sûr de toi là? Pas trop. Mais il faut qu'on y arrive. Oh là là. Votre initiative sera réduite en cendres. Et ce sera entièrement de votre faute. Tiens. Vous ne m'avez pas laissé le choix. Ouh là là là. C'est le résultat de votre insolence. Je mettrai fin à tout cela, dans le feu, dans le sang. Ça va? Dépêchez-vous, pionnier. C'est difficile pour nous tous. Dégagez le passage. Ne vous arrêtez pas. Toute trace de votre venue ici, dans ce même, disparaîtra. Heureusement, ils ont eu beaucoup de munitions. Je vais apporter. Prépare le relais. Fais de mon mieux. J'ai encore de l'argent. Attends un peu. Tout ceci, la moindre vie perdue, est de votre faute. Parce qu'on a ramené tout ce qu'on pouvait. Vous croyez avoir quelque chose d'exceptionnel? Nous avons exalté d'innombrables espèces. C'est prêt. Vas-y, tu peux te connecter. J'y vais. Oh merde. Un dernier. Rien. Qu'un. Sarah. Le temps nous est compté, pionnier. Ce n'est pas terminé. J'ai le voilà. Réseau. Ouf. Allez, passez. Et on continue. Aïe, ça va piquer. Ah.
Ils diffusent toutes les images. J'ai eu peur. Mais vous vous en sortez toujours. Quoi qu'il arrive, je vous reviendrai toujours. On a réussi. Et voilà, je suis en train de voir, je sais pas si tu dois passer ça ou pas. Pas mal la fin, pas mal. Alors, je m'attendais peut-être un petit peu plus de combat, un combat plus direct avec l'Arconte. Mais non, très bien quand même, parce que du coup c'est intense quand même. T'es attiré dans tous les sens, dur à suivre, mais bon. Bien équipé, une bonne équipe, c'est passé tout seul. Très appréciable le fait que, sans qu'on le voie, on les entendait, tous autres coéquipiers nous rejoindre. J'ai entendu Liam et Drake. J'ai pas trop fait gaffe au reste. Ce qui est déjà, c'est déjà pas mal. Voilà. J'étais pas prêt en fait à finir, forcément. Enfin, je m'en doutais. Mais sinon, non, c'est une fin bien intense. Bien remplie. Il manquerait peut-être un petit peu de cinématique. Alors, c'est pas, je vais voir là si. S'il rajoute un petit truc à la fin. On va même accélérer. Voilà, bah si on bat le jeu, bah voilà, un bon Mass Effect, je pense. Un bon Mass Effect. Alors c'est vrai qu'il y a eu certaines mauvaises critiques. Bah, oui, mauvaises critiques vis-à-vis. Il parlait beaucoup de dialogues. Alors c'est qu'au niveau des dialogues, bah il y a un côté assez figé. Ils ont quand même amélioré au niveau du mouvement des lèvres, apparemment. Je regrette les angles de vue, parfois, qui sont mauvais, à cause de mon armure. Mon armure cachée parfois. Ah! Petit truc. Salut, Sarah. Ça sent le déjà-vu. Ça fait combien de temps? Quelques semaines. T'inquiète, t'as pas raté grand-chose. L'Arche et les passagers, ils sont en sécurité dans la sphère? J'espère que t'aimeras où on est garé, parce que c'est chez nous maintenant. Les passagers découvrent une vue magnifique en se réveillant. On a réussi, papa. Et ton implant? Et Sam? Je peux à nouveau aider le pionnier à activer les reliquats. Notre connexion a été rétablie. Rétabli ? Tu as encore besoin de lui ? J'ai besoin de son aide. J'étais en train de me retourner le cerveau. C'est extrêmement inexact. Ouais, bah c'était tout comme. Pas vrai, Sarah ? Les dirigeants du Nexus vous attendent, pionnier. Le devoir t'appelle. Ne les fais pas attendre. Ça n'en finit pas. Ah bah voilà ! C'est bien ça, c'est comme pas fini ! Peut-être gagner un point de module de stase. Parler à votre équipe et à l'équipage. Ah ouais, mais. Épilogue. Je pense que l'épilogue, on va se le faire dans un dernier épisode bonus. Je sais que c'est un peu, ça fait un peu dommage de couper ça, mais là, ça fait déjà un bon morceau. Ça risque de faire un épisode très 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 long. Donc ça sera à vous de voir. Donc déjà, voilà, on a fini le jeu. Donc là, c'est l'épilogue. Donc oui, là, ça j'aime bien. Ça, c'est bien. C'est j'ai fini, c'est pas juste game over. J'ai fini, mais on prend le temps de déguster la fin.
Un petit épilogue, ça coûte pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir aux joueurs parce que on a quand même passé beaucoup de temps sur le jeu, on a vécu beaucoup de choses, et c'est bien de faire un, on va dire comme un arrêt en douceur, quoi. Ils vivent heureux, ils ont beaucoup d'enfants, comme on dit dans les histoires classiques. Ouais, mais c'est voilà, c'est on a le temps de voir un petit peu cette conclusion. Donc non, très bien, super bien d'avoir un épilogue. Ça me plaît vraiment énormément. Bon, on a eu la petite séquence, on a eu le, comment dire. C'est pas un archonte du coup, enfin son successeur avec qui on s'était allié. Alors, on n'a pas vu son intervention vraiment pour pouvoir pour qu'il nous aide à un moment donné, comme il nous avait suggéré. Mais bon, en tout cas, ça montre bien qu'il y aura très certainement d'autres Mass Effect et j'espère bien parce que du coup, voilà, dans un nouvel endroit, je suis sûr qu'ils auront de l'imagination pour inventer d'autres histoires pour continuer à vivre ces aventures là avec ces personnages. C'est très agréable. Voilà, donc comme je disais juste avant, il y a des défauts. Il est pas parfait, hein, le jeu. Il est pas parfait. Mais il y a largement de quoi le trouver très bien, le jeu. Voilà, l'histoire, l'interaction des personnages. Ça, c'est un des trucs que j'adore. Plein de quêtes. Des quêtes qui peuvent sembler bénignes, mais qui du coup sont quand même assez longues, qui amènent des éléments d'histoire en plus. Des choses qui se croisent. Enfin, il y a vraiment un peu de tout. L'interaction avec différents personnages, la loyauté à monter. Je me rappelle sur certains trucs d'ailleurs, mais non, voilà, tout ça fait que c'est un bon jeu. On a apprécié de faire une sorte de l'artisanat, comme on pourrait dire dans d'autres jeux. On fait son armure, on gère son apparence. Bah finalement, je suis quand même bien content de l'apparence de mon personnage. On est assez loin du personnage originel, mais je trouve qu'il a quand même bien son caractère. Je sais pas si beaucoup ont fait des différents ou s'ils ont pris celui de base. Parce qu'autrefois, comme je disais, dans les trois premiers, celui de base était très... C'était bien, on a vite fait de faire un truc pas terrible à côté. Donc là, je me suis fait aider de ma femme pour pouvoir faire celui-ci, histoire d'avoir quelque chose de cohérent, parce que des fois, je me rate un petit peu, donc elle m'a aidé, et maintenant, je suis content. Ah ben voilà, bon, la sœur, c'est bizarre, elle avait une tête un peu grosse au-dessus, ou c'est les cheveux qui faisaient ça, en fait, c'est bizarre. Mais bon, c'est bien, sympa, on a pu la jouer un instant, on a fini le jeu... Avec elle nous a aidé, donc voilà, une des prochaines étapes ça va être la mer, parce qu'on va le savoir dans l'épilogue comment ça se passait, pas sûr, on verra plus tard. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus, après cette longue conclusion, on va s'attaquera donc au prochain coup à l'épilogue, et puis comme ça sera fini. Allez, à très bientôt tout le monde, ciao, bye bye, et merci de m'avoir suivi sur cette série.